Qu'as-tu vu? Ils vont faire le rituel. Il faut les en empêcher. Je vais les arrêter. Attends! Attends, Almayana, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais les empêcher de pratiquer ce rituel. Mais tu vas te faire tuer! Ils ne s'y attendront pas. C'est du suicide! Tu ne peux pas m'en empêcher. Je ne laisserai pas ça se produire à nouveau. Amayana! Elle est en chemin. Bien, nous l'attendons de sabot ferme. Bon boulot, Kingston. C'est quoi ton problème, Moon? J'ai pas le temps pour sa prophétie. J'ai des problèmes plus urgents à régler, et toi aussi d'ailleurs. Il faudrait vraiment savoir ce que tu veux, Moon. Tu peux pas jouer avec les gens comme ça! C'est ça. Attendez à mieux quand même. Ce n'est pas fini. Tu ne t'en sortiras pas cette fois, ma vieille Amy. Toi non plus. Si ce n'est pas nous, d'autres vous anéantiront. Vous ne serez jamais les dieux de ce monde. Fort heureusement. À toi, Fléau. C'est déjà fini? Tout ce qu'il savait faire, c'était parler fort. Ainsi donc s'achève pour de bon toute forme de règne divin. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y. Allez. Oui, t'en fais pas. Ils les ont tués. Il n'y a plus aucun dieu. Ils vont certainement nous parler au balcon. Ce n'est pas la peine de fuir comme un lâche une nouvelle fois. Vous n'allez pas me tuer. Il y a eu assez de morts comme ça. Et nous ne sommes pas des monstres, malgré ce que tu sembles croire. Mes amis, aujourd'hui nous avons mis fin au règne divin. Pour beaucoup, vous le voyez comme une fin du monde. Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas la fin, mais bien le début. Dans ces vermines, nous serons enfin libres de penser et d'agir par nous-mêmes. Plus besoin de prières ou de sacrifices. Nul besoin de vous soumettre à une quelconque force illégitime. Je sais que vous ne voyez en moi et ma famille que de violents usurpateurs. Nous avons tenté en vain d'atteindre la paix sans violence. Nous avons été contraints d'éliminer Talion et Almayana par la force. Mais sachez, juments et étalons, que nous ne sommes pas battus pour reprendre la place de chef. Notre seul but était et sera toujours la liberté. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous vous la donnons. Ainsi fait, nous pouvons repartir pour vivre nos vies respectives, en paix. Vous serez sans doute déstabilisés dans les premiers temps, de ne plus avoir personne à suivre. Mais bientôt, vous ne pourrez plus vous passer du goût exquis qu'est la liberté. Adieu, confrère. Puisse la vie vous être agréable. Moon?
C'était un beau discours. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de cette fameuse liberté au Wixki? Profiter des choses simples de la vie dans un premier temps. Me poser un peu, arrêter de courir. Un jour, je voyagerai là où nos aventures ne nous ont pas emmenés. Et aller te détendre au bord d'une rivière, c'est une chose simple de la vie? Seulement si je suis bien accompagnée. On pourra demander à Genstone. J'ai la personne parfaite devant moi. Fléo, tu sais, j'ai réfléchi aux paroles d'Almayana sur la colline cornue. Oui? Il faut croire qu'elle était de la vie intolérable de ton troupeau. Comment ça? Tu sais, quand elle a sondé nos âmes après la fusion, je crois qu'elle est entrée dans nos têtes, nos cœurs. Elle n'y a pas vu que l'horreur du démon. Je ne comprends pas. Léo, nous avons déjà assez perdu de temps comme ça. Et maintenant que tout est arrangé, on peut se concentrer sur ce qui est important pour nous. Mais ne sois plus clair. Je vais profiter de cette liberté avec toi, Fléo, parce que... Est-ce que tu m'aimes? Oui! Oui, Fléo, c'est ça! Fléo, tu vas pas me mettre un vent, hein? Ça fait tellement longtemps que j'avais perdu tout espoir. Longtemps? Fléo, ça fait combien de temps que tu me caches ce que tu ressens? Un certain temps. Fléo, pas de ça avec moi, tu me le dis. Depuis que tu m'as sorti des langues. Quoi? Mais Moon, tu te fous de moi? Tu viens juste de dire que Almayana avait vu l'amour qu'on partageait, c'était presque au même moment. C'est vrai. Peu importe, tout ce qui compte c'est que maintenant on le sait. Oui, je suis bien d'accord. Moon, c'est pas vrai.